Les autres ne sont pas. On va les attendre un peu avant de commencer. Informatique. Pourcentage. Informatique. Informatique. 97. Comme je l'ai dit, je reviens dans le droit, comme finance, en pourcentage, nous avons 33%. Entreprise financière. Entreprise financière, nous avons 68 de 1,268. En testing, établissement testing. Établissement testé. Nous avons 80. Nous avons 1,214. Nous avons 27%. Avant-dernier. Métallurgie. Oui. Où ça? Ici. Établissement. 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 Informatique. C'est-à-dire entreprise. Métallurgie. Nous avons 35. Nous avons 12. 12%. Bonjour. Bonjour. Passe informatique, financier, facile, métallurgique. Établissement minier. Si vous voulez, on peut mettre le tabac. 291. En pourcentage, nous avons 1 au fond de prudence et nous avons 100 pour 100%. Consigne, analyser et interpréter. Analyser et interpréter. Hier, on a fait beaucoup de choses, construction, on n'a pas analysé et interprété. Donc, on va faire ça avant de commencer à produire les exercices. Ça va nous permettre de bien comprendre.
Donc, consigne, on a levé et intervalle. D'abord, qu'est-ce que vous remarquez quand vous voyez le tableau par rapport aux autres tableaux qu'on a? Qui remarque quelque chose par rapport à la disposition du tableau? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Testine. C'est 80? Oui. Informatique 97, 33%. Financier 78, 27%. Textile 80, 27%. Métallurgique. Qu'est-ce que c'est qu'une usine métallurgique? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Les entreprises qui construisent les voitures, les véhicules, c'est ça, métallurgique. Ce sont les industries lourdes. Minier. Minier, 1%. Total. 991. Vous pouvez additionner pour voir. Hein? 291, pardon. Et vous voyez, le total de fréquences, ça donne 1. Le total de pourcentage, ça donne combien? 100%. La première question, qu'est-ce que vous remarquez quand vous regardez le tableau? Si on finit, on va commencer à corriger nos exercices.
La première question, qu'est-ce que vous remarquez, le tableau, par rapport aux différents tableaux qu'on a vus hier? Quelque chose ne vous attire pas? Regardez bien les tableaux d'hier et aujourd'hui. Il y a une petite différence. Au niveau des retards. Total. D'accord. Mais la disposition même des tableaux. Bon, on va laisser un tableau bien. Quand vous voulez faire le développement, il faut être des bons observateurs. Si vous ne savez pas observer, tu ne peux pas bien analyser. Hier, on a eu des tableaux. Regardez bien les tableaux. Je vais prendre un seul tableau. Regardez ces tableaux. Regardez ces tableaux aussi. Regardez encore ces tableaux. Regardez tous ces tableaux d'hier. Regardez, c'est tout ça. Quelque chose ne vous attire pas. La disposition de quoi? Des tableaux. Hier, les valeurs étaient en horizontal. Et les fréquences également en horizontal. Mais aujourd'hui, les valeurs sont en verticale et les fréquences en verticale. Là, c'est ça, il fallait voir. Si vous n'êtes pas de bons observateurs, vous ne pouvez pas faire une analyse. L'analyse, c'est l'observation et l'explication ou l'interprétation. Si vous n'observez pas, vous pouvez avoir des problèmes dans l'analyse. Bon, regardez ce tableau. C'est la même chose. On peut renverser comme ça pour que les établissements, en l'occurrence informatiques, financiers, textiles, métallurgiques, miniers, on peut les mettre comme ça et mettre aussi les pourcentages et les fréquences en bas. On peut le faire. Les effectifs, on peut le faire. Vous voyez? On peut le faire. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est pour vous dire que quand vous irez sur le terrain, si vous avez un tableau, que ce soit en horizontal ou vertical, c'est la même chose. Cette remarque qu'il faut faire. Maintenant, on vient à l'analyse. Pour bien analyser, il faut bien observer. D'abord, regardez. L'interprétation, ça, c'est l'explication de ce que vous allez observer. Mais l'analyse, en regardant, quel est le pourcentage qui domine ici? C'est l'informatique qui domine. Va vous aider dans votre interprétation. Ensuite, qu'est-ce qui domine? Et les finances. Les deux vont de pair, hein? 27-27. Ensuite, et enfin, dans l'analyse, déjà vous pouvez imaginer il s'agit de quel type de pays? Sénégal. Oh. Vous pensez que au Sénégal, ici, on fabrique des voitures jusqu'à quel pourcentage? 12%. Informatique, vous pensez que tout le monde est rodé jusqu'à 33%. Est-ce que vous êtes allé à Fouta? Vous êtes allé dans le tréfonds de Ziguinchor? Il y en a qui n'ont même pas de lumière à plus forte raison de l'ordinateur. Mais pourquoi ça ne peut même pas être Sénégal? Regardez minier, c'est combien de pourcents? Ça ne peut pas être Sénégal. Sénégal, on a des ressources minières. Ça ne peut même pas être en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous avons les ressources minières. Hein? En Afrique, on a les ressources minières. Hein? Que ce soit le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, il y a des ressources minières. Donc déjà, dans votre interprétation, vous vous rendez compte que ici, on n'est même pas dans une zone africaine.
Parce que le minier, 1%, nous, on n'a pas ça, on a beaucoup. Ressources minières, on en a beaucoup ici. Mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est en Europe. C'est en Europe. Ça peut être la France, l'Allemagne, les États-Unis, quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de ressources minières. Mais ce qui est développé là-bas, c'est ce qu'on voit. Informatique, métallurgie, textile, ainsi de suite. Ouais. Donc déjà, c'est ce qui fait l'interprétation. L'interprétation, c'est avec les connaissances que vous avez avant. Comme par exemple, en sachant que en Afrique, on a des ressources minières, mais on n'est pas développé sur le plan de la technologie. Déjà, c'est une connaissance qui n'existe pas dans le tableau. Mais c'est à partir du tableau que vous pouvez faire venir ces connaissances. Donc voilà comment on analyse, on interprète. Vous allez écrire, vous mettez correction. Bah. À travers ce tableau, à travers ce tableau, à travers ce tableau, on a on a 33%, ça on appelle analyse. On a 33%, vous voyez, c'est ce qu'on observe, on dit. L'analyse, c'est comme ça. On a 33% de l'informatique. On a 33% de l'informatique à travers ce tableau. On a 33% de l'informatique, virgule. C'est une zone développée. C'est une zone développée. Une zone développée. Zone développée. En parenthèse, ouais. Ce qui n'est pas dans le tableau maintenant, c'est ce qu'on va dire. On interprète le peu qu'on a dit. Ouais. En parenthèse, indique et développe. Qu'est-ce que ça veut dire, indique? Indique, c'est quoi? Nouvelle technique d'information avec le communisme. Communisme. Indique. Accès à l'internet. Accès à l'internet. Indique développé. Accès à l'internet. Il y a donc une facilité de communiquer. Il y a donc une facilité. Facilité de quoi? Communication. Vous voyez comment on analyse un tableau et on interprète. Il y a donc facilité de communication. À la ligne, on a sur la deuxième ligne.
On remarque également dans ce tableau, on remarque également dans ce tableau des finances. On remarque également dans ce tableau 27% des finances. On remarque également dans ce tableau 27% des finances. Ce qui explique que les activités génératrices de revenus ce qui explique que les activités génératrices de revenus sont présentes. Les activités génératrices de revenus sont présentes Les activités génératrices de revenus sont présentes et donc l'argent circule beaucoup. Et donc l'argent circule. Et donc l'argent circule beaucoup. Vous voyez? L'argent circule beaucoup. On remarque également, on va la lire, on remarque également vingt-sept pour cent de quoi? De textile. 27% de textile. Ce qui explique que le textile est très développé. Le textile est très développé. Virgule. La productivité du coton se fait en grande quantité. La productivité du coton se fait en grande quantité. La productivité du coton se fait en grande quantité. Point. Et donc, il y a moins de chômage. Et donc, il y a moins de. Comment faire une analyse et une interprétation? L'analyse, c'est ce qu'on voit. L'interprétation, on apporte une explication par rapport à ce qu'on a vu. Il y a moins de chômage. Ça veut dire que les gens travaillent. Vous comprenez pourquoi tout le monde suit pour aller en Europe? Parce qu'il y a du boulot là-bas. Moins de chômage. Alors, on remarque également. On remarque également
12% de métallurgie. On remarque également 12% de métallurgie. On remarque également 12% de métallurgie, ce qui explique une faiblesse en construction métallurgique. En construction métallurgique, vous voyez. Bon, il n'y a pas trop de fer là-bas. On remarque également, dernière partie, 1% d'industrie minière, 1% de mine. On remarque également 1% de mine. On remarque également 1% de mine, ce qui montre que le sous-sol est très pauvre, ce qui montre que le sous-sol est très pauvre en minerais. Ce qui montre que le sous-sol est très pauvre en minerais. On n'a pratiquement pas de l'or. On n'a pas de l'or. On a pratiquement pas de l'or. Voilà comment on fait une analyse et une interprétation. Et quand vous serez sur le terrain, la plupart du temps, vous allez analyser et interpréter. Pourquoi? Vous allez trouver même des projets avant vous. Des projets qui ont existé. Mais les traces sont là. Vous venez peut-être pour continuer, ou bien gérer, ou bien remédier, ou bien corriger. Mais vous ne pouvez pas corriger sans connaître les défaillances. Il va falloir que vous analysiez d'abord, interprétez avant d'apporter votre correction. C'est ce travail qui vous attend après votre formation. Donc, analyser et interpréter un tableau est très important. Analyser et interpréter une courbe est très important. Analyser et interpréter un graphe est très important. Donc, hier, on a tellement travaillé sur les tableaux sans faire l'analyse et l'interprétation. C'est pourquoi je vous ai donné ça. On va faire un autre exercice ici, analyse et interprétation, avant de venir corriger nos travaux d'origine. Voilà. Tout le monde a noté ça, n'est-ce pas? Tout le monde a appris. Il faut y passer. Je vais vous donner un deuxième encore. Après, on va corriger nos. Parce que c'est très important pour vous de pouvoir analyser et interpréter.
Donc ça, on ne va pas faire beaucoup. Je vais vous donner un petit seulement. Vous mettez exercice 2. Après, une étude. Après une étude statistique. Après une étude statistique. Effectuer. Dans un village. Dans un à obtenir les informations suivantes. On a recueilli des informations. Des informations suivantes. Deux points. Célibataire. Célibataire. 790. Marie, 4 le pourcentage. Chaque. 2. Analyser et interpréter. Les autres. Analyser et interpréter les autres. Ça également, on va commencer. Si les deux exercices ont été compris, le reste, la correction du PD sera très facile. Donc, après une étude statistique dans un village, on a pu recueillir, n'est-ce pas, les informations suivantes. Célibataire, 790. Divorcé, 32. Veuf, 9. Calculer le pourcentage de chaque famille. Quel est le pourcentage? Quel est le pourcentage? Quel est le pourcentage? Quel est le pourcentage? Donc, vous allez calculer. Vous mettez là le pourcentage.
On va remplir le tableau ensemble. D'abord, quel est le N total? Comment on calcule le N total ici? Oui. Ça fait combien? Vous trouvez combien? Le total, vous trouvez combien? Quelqu'un pour l'aider, hein? 1850. Combien? 1850. 1830. 31. Ça, c'est le résultat. Maintenant, comment calculer le pourcentage des ex célibataires? Comment on fait? 1850. 790. On le voit? Oui. Oui. 1831 divisé par 100. Vous trouvez combien? On pourrait vous calculer aussi le pourcentage des mâles. Il vous fait 1831 divisé par 100. Après, le pourcentage des divorces. Il vous donne 32 sur 1831. Et enfin, pourcentage des G. Ici, à faire du côté de la France, oui. Comment vous avez le long. Oui. Quelqu'un peut confirmer? Oui. 43 000. 14, hein? Et ici? C'est pour Oui. le d'accord. Oui. Bon, voilà le pourcentage pour chacun. Maintenant, ce qui est important, c'est l'analyse. Vous prenez le pourcentage, on va analyser ensemble. Bon, on prend, vous décrivez l'analyse. L'analyse.
Quel est le pourcentage le plus élevé quand on regarde? Oui, ça correspond à quoi? Les mariés. Donc, on écrit. Dans ce tableau, on constate que dans ce tableau, on constate que il y a plus de mariés. Il y a plus de mariés. Il y a plus de mariés. On va en même temps interpréter. Il y a plus de mariés. On peut s'imaginer que c'est une zone de bonne moralité. On peut s'imaginer que c'est une zone de bonne morale. Une zone de bonne morale. Voyez que les gens se marient. C'est une zone de bonne morale. Pourquoi les gens préfèrent se marier au lieu de chercher les petites filles? En désordre. Préfèrent se marier parce qu'ils sont tous de bonne moralité, de bonne éducation, bien éduqués dans la cause religieuse. On va même aller plus loin. Il se peut même que ça soit une zone religieuse, comme peut-être Touba, Badina Bay, ou bien une zone comme Pompongine, où la moralité est de mise. Les gens préfèrent passer par la voie normale plutôt que des voies obscures. Donc, c'est une zone de bonne moralité. On peut dire ça. Ça va? Alors, on remarque également que 43,14% des célibataires. On remarque également 43,14% des célibataires. Cela peut être dû au fait que cela peut être dû au fait que les conditions du mariage coûtent cher. Il y a des femmes, si tu veux prendre, il faut 2 millions, 3 millions. Vous allez manger quoi après? Il y a des femmes qui coûtent extrêmement cher. Donc les gens préfèrent aussi rester célibat. Cela peut, oui? Oui? Vous dites? Après Toi, tu connais mieux les conditions du mariage. Les mariages coûtent comment ici, au Sénégal? Cher! À tout moment, c'est pire. On paye. La dot, on paye. Donc, quelqu'un qui n'a pas 1 million, 2 millions, est-ce qu'il peut s'aventurer à faire un mariage aujourd'hui? C'est difficile. Même 500 000 ne peuvent pas faire un mariage. Vous voyez? Donc, si les gens sont là, d'abord on a dit c'est une zone de bonne moralité, ils veulent se marier. Mais il n'y en a pas. La volonté seule ne suffit pas. Non? Il faut le moudi, il faut le moyen. Donc, cela peut être dû au fait que, n'est-ce pas? Je n'ai pas ça écrit, hein, j'interprète, donc je ne peux pas revenir sur les mêmes expressions. Mais l'idée y est. Qu'est-ce qu'on a écrit? Cela peut être dû au fait que. Qu'est-ce que vous avez mentionné?
Cela peut être dû au fait que, qu'est-ce que vous avez mentionné là-bas? Les conditions du mariage coûtent cher. Les conditions du mariage coûtent cher. Ou bien, les gens sont déçus de la vie conjugale. Toi, tu dis la semaine prochaine, tu vas te marier. Et tu as vu ton voisin qui a là sa femme en train de le gifler à tout moment. C'est une déception. Ou bien tu as une femme qui est prête à te marier à quelqu'un. Vous avez fait tout. On dit le mois prochain. Et tu vois le monsieur chaque fois en train de frapper sa femme. Mais c'est une déception. Donc, vous voyez. Ou bien les gens sont déçus de la vie du couple. Ils préfèrent vivre célibataire. Au moins, ils ont moins de problèmes. Ouais. C'est ça l'interprétation. L'interprétation, ce sont des suppositions, ce sont des hypothèses. Mais l'analyse, c'est ce qu'on voit, on dit. Donc tout ça, c'est des interprétations. Pourquoi il y a beaucoup de célibataires? Peut-être que le mariage coûte cher. Ou bien les gens sont déçus de vie de couple. Ou bien peut-être, pour la dernière partie, peut-être aussi. Ou bien tout simplement. Ou bien tout simplement, les jeunes n'ont pas de travail. Parce que quand tu maries une femme, il faut la nourrir. Mais si tu n'as pas de travail, comment il faut nourrir la femme? Voyez. Donc ce sont des suppositions. Hein? Par rapport à ce qu'on voit sur le tableau, ça va? Ensuite, on est arrivé sur les divorces. Il y a combien de pourcents? Tendez. Ouais, et ça explique même le fait que les gens sont célibataires. 600 personnes, 32 divorcées. On a également 32% de divorces. Ah, d'accord, 17, ah, d'accord. On a également, merci, 17,48% de divorces. On a également 17,48% de divorces. On a également 17,48% de divorces. Cela peut être dû au fait que, vous voyez que l'interprétation vient après l'analyse. Cela peut être dû au fait que il n'y a pas de communication dans les couples. Il n'y a pas de communication dans les couples. Il n'y a pas de tolérance dans les couples. Il n'y a pas de tolérance dans les couples. Il n'y a pas de tolérance dans les couples. À quel moment, je vais vous poser une question, à quel moment l'homme est grand? Un homme, à quel moment, bon, quand je parle de l'homme, ça peut être la femme ou l'homme en tant que l'homme, à quel moment on dit cet homme, vraiment, c'est un grand? C'est quand il sait pardonner. Quand il voit qu'il a raison, mais il ne réclame pas sa raison. Il tolère. Sinon, vous êtes. Vous pouvez vivre avec n'importe qui. C'est quand l'homme, bien qu'il ait 60 ans, 70 ans,
Mais il se fait comme quelqu'un qui est bête, comme un enfant, il accepte tout. C'est comme ça les grands marabouts ont vécu. Hein? Accepter tout le monde. Mais dès l'instant où vous vous dites que vous n'avez que raison et vous ne faites que réclamer cette raison, en ce moment, c'est votre chiffre qui commence. Sinon, on n'allait jamais demander à quelqu'un, il faut pardonner. Si tu as tort, qui va te dire de pardonner? C'est parce qu'on sent que vous avez raison, on vous dit pardonne. On pardonne par rapport à sa raison. Sinon, quand tu as tort, on s'en fout de toi. Mais quand tu as raison, on te dit pardon. Ouais. Si le mot pardon existe, c'est parce qu'on sait que vous avez raison. Et c'est ce qui manque souvent dans les couples. Trouver. Personne ne parle. Chacun veut réclamer sa raison. Et pourtant, la raison, elle est relative. Celui-là, sa raison n'est pas forcément la raison de l'autre. Chacun a sa manière de comprendre les choses. Donc, vous voyez. Pour vous dire tout simplement, la grandeur de l'homme, c'est par rapport à sa tolérance, à son degré de tolérance. Ça marche. On peut continuer. Maintenant, la dernière partie, c'était 40 et quelques pourcents. On a arrondi à 0,5. Hein? C'était, je crois, 0,40 et quelques. Ça va. Donc, on écrit, on a également on a 0,5%. On a également 0,5% de veuves. Cela explique que le taux de mortalité, cela explique que le taux de mortalité Cela explique que le taux de mortalité est très bas dans ce village. Regardez le pourcentage, c'est très faible. Le taux de mortalité est très bas dans ce village. Cela explique que le taux de mortalité est très bas dans ce village. Bonjour, le taux de mortalité est très bas dans ce village. Ça va? Donc voilà comment on analyse et on interprète. Ça va? Vous prenez maintenant les TD. Je pense que vous avez vu des cours hier. Aujourd'hui, on a pu faire des exercices sur l'analyse. Vous êtes face à n'importe quel exercice, vous pouvez résoudre. Donc, on y va avec nos exercices. Hier, je pense qu'on avait déjà travaillé sur. On a déjà fait le premier exercice, n'est-ce pas? C'est le deuxième que nous allons commencer à corriger. Chef de classe, il faut y passer le tableau. On va passer à la correction.
Ça marche, hein? C'était l'exercice 1. On l'a déjà fait, n'est-ce pas? Donc, l'exercice 2. Hein? Vous allez sur l'exercice 2. Il n'y a pas de questions, hein? C'est bon? Ça marche. Et quel était ce qu'on vous demandait, les consignes? Exercice 2. Analyser et interpréter. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez tous, n'est-ce pas, analyser et même interpréter. On va essayer d'analyser ensemble et interpréter. Bon, exercice numéro 2. Quelqu'un pour lire, le tableau suivant représente le chiffre d'affaires des principales industries sénégalaises en 2016. Vous voyez ce à quoi vous serez confronté, ce sont les réalités. On vous donne la date, le chiffre, et par curiosité, si vous vérifiez, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est vrai sur le terrain. Mais dans votre analyse, qu'est-ce que je vous ai dit? L'analyse, qu'est-ce que c'est? Délégué, chef de classe, oui. L'analyse, qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas analyser? Vous voyez, voyez. Exactement. C'est ce qu'on observe, on dit. Qu'est-ce que vous observez? Oui. Industrie chimique du Sénégal, Mboro, Institut d'industrie chimique du Sénégal. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous? Vous n'êtes pas à Thiès ici? Vous n'êtes pas à Thiès ici? Ah, vous venez d'où? Sengana. Sengana est différent de Thiès. Sengana d'ailleurs, ça veut dire quoi? Non, 50, ça veut dire quoi? Je vais te montrer que dans ta région même, je peux commenter. 50, ça veut dire quoi? C'est vraiment de l'avant. C'est 50 km, c'est ce que ça veut dire. 50 km. Mais 50 est tout près ici. Hein? Avant, pour aller à 50, avant, il y a 2 ans de cela, je crois que c'était 300. Ils ont augmenté maintenant. Non, pour c'était 300, 50, je crois 350. Maintenant, c'est 400. Jamais il y avait 500, maintenant 600. Et comme c'est un Djangadjé, souvent ils augmentent, ils réduisent, ils réduisent. Donc, 50 n'est pas loin, c'est 400 francs d'ici. Donc, si tu es à 50, tu peux connaître l'histoire de la région de Thiès. Puisque ici, c'est tout près ici. Remarquez. Chiffre d'affaires par an, c'est combien? 100 milliards 900 millions. Et souvent, quand les gens font la grève là-bas, je dis les gens sont malhonnêtes. Une telle usine, on ne doit pas faire la grève.
Parce qu'il y a de l'argent. Et ce qui est là est une réalité. Et ça, c'est 2016. Aujourd'hui, attendez-vous à 200 milliards par an. Donc, vous voyez, ICES, Industrie chimique du Sénégal, SAR, Société africaine de raffinage. SAR. Sagoma, la découverte de pétrole, ainsi. Je crois que le Sénégal a 18% bien, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Sonacos, qui ne connaît pas Sonacos? Il travaille sur quoi, Sonacos? L'arachide, le guettet. Sénélec, qui ne connaît pas Sénélec? Hein, qui ne connaît pas? Sénélec. Donc, tout le monde connaît. CSS. Voyez que vous êtes mieux informés. GMD. Ah. Sokosim. Cimenterie. Ils sont situés où, Sokosim? Waouh, difficile. En sortant des barrières nettes, ils sont à droite. N'est-ce pas? Et Sen-O, nous tous on le sait. C'est grâce à eux, nous, on a de l'eau. Bon, voilà les différentes industries les plus IP du Sénégal. Et dans l'analyse, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Quelqu'un n'a qu'à se lancer à l'eau, on va essayer de le sauver. Qui va commencer l'analyse? S'il n'y a personne, c'est délégué. Le délégué qui représente la classe. S'il n'y a personne, on l'interroge. Chef de classe. D'abord, en regardant qu'est-ce qui nous frappe. Ici, c'est une analyse de comparaison. Qu'est-ce qui nous frappe? Qu'est-ce qui vous attire? La différence entre Ici, la et le entre ça et et les autres indices. Pourquoi tu as choisi SAR et non ICES, alors? Parce que c'est SAR qui produit plus. Hein, n'est-ce pas? D'accord. Effectivement, il a raison. Donc, si on regarde les deux extrêmes, d'abord, c'est SAR qui domine. Tout le monde est d'accord. SAR fait combien de milliards par an? Et dans notre interprétation, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, il vient ICS, 100 000. Ensuite, Sonacos. Ensuite, Sénélec. Ensuite, le sucre. Ensuite, Grand Moulin de Dakar. Ensuite, Sokosim. Et ensuite, donc dans notre analyse, on dira, vous allez mentionner, on dira, écrivez. Ce tableau nous renseigne que. Ce tableau nous renseigne que la Société africaine de raffinage la Société africaine de raffinage la société africaine, ou bien vous écrivez tout simplement SAR, hein, pour gagner du temps. SAR, a le plus grand chiffre d'affaires. A le plus grand chiffre d'affaires.
C'est combien de milliards? 1 007 milliards. Allez, grand chiffre d'affaires, 1 007 milliards. Point. Bon, avant de faire l'interprétation, on va se poser des questions. C'est normal ou c'est pas normal? Et vous allez me dire pourquoi c'est normal. C'est normal, pourquoi? D'accord. Oui. Mais, en termes de comparaison, on va prendre un peu de comparaison. Regardez 5 euros. 5 euros, vous voyez comment c'est fait. Il y a des villages où il n'y a pas 5 euros. Mais dans ces villages, vous savez, le camion, pour le moteur, pour l'air, le moteur, ainsi de suite. Pour tout simplement, parce que nous, concurrent mondial, donc vous allez avoir une 10. Quand vous allez dans le spa, mais arrivez, mais ce n'est pas avec l'autre, mais le 10 sur vous, ça va être du carburant. Donc le carburant est une consommation primordiale. Vous voyez dans l'éducation. Donc l'interprétation, vous faites appel. Parce que vous savez, expliquer le pourquoi de votre observation. Donc, on va mettre 1 007 milligrammes. Cela s'explique par le fait que. S'explique par le fait que. Le carburant est primordial dans la vie de tout le monde, dans la vie de tout le monde. C'est une utilisation quotidienne. On ne peut pas ne pas l'utiliser. Même quand vous n'avez pas d'électricité, que vous avez une lampe à pétrole, c'est le carburant, c'est le pétrole que vous allez mettre. Donc c'est normal que le chiffre d'affaires soit comme ça. On va une interprétation. Ensuite, on va aller suivre les autres. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient ensuite? ICS. Également, dans ce tableau, ICS fait un chiffre d'affaires de 100 milliards 900 millions. 100 milliards 900 millions. Ce qui s'explique par le fait que, ou bien cela s'explique par le fait que, qu'est-ce qu'on fait à l'ISS? L'engrais, le phosphate, vous voyez, les produits, tout ce qui rentre dans le domaine chimique. Ouais. Donc cela s'explique par le fait que quand
Quand vous prenez les cosmétiques, les femmes là qui aiment beaucoup les produits cosmétiques, c'est à base des produits chimiques. Ces produits viennent d'où? Le savon, vous vous êtes lavé ce matin, évidemment. C'est fait à base de quoi? Donc, il est tout à fait normal, comme on dit. Cela s'explique par le fait que les produits chimiques. Sont présents. Les produits chimiques sont présents. Dans presque. Dans presque. Les produits utilisés par jour pour le contrôle de la chimie et la spécialité, c'est ça. Votre camarade a parlé de l'engrais. D'autres produits, d'autres produits, d'autres produits. Ça va? Donc, c'est normal que le chiffre d'affaires coïncide, n'est-ce pas, avec cette valeur très, très importante. Ça va? On continue. Ensuite, nous avons son apport. On parle de bassin arachidier, bassin arachidier, zone arachidière. Ça veut dire que le Sénégal est. Arachide, hein? Bon, il y a 50 ans ici, ou 30 ans ici, il y a des produits. Il y a 50 ans là, hein? On commence par 100 francs. Encore 100 francs quand il y a plus comme ça. Même le bébé peut manger en un coup. Petit. C'est pour vous dire que Sénégal est une zone de production d'arachide. Oh, ouais. On y va. On remarque également dans ce tableau. Son apport fait 97% de chiffre d'affaires. 97 milliards de chiffre d'affaires. On remarque également que dans ce tableau, son accord fait 97 milliards de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui explique cela? Cela s'explique par le fait que l'arachide est très prisé au Sénégal. Vous allez voir les. Il y a des gens par semaine qui mangent mal de 4 fois, 5 fois. Il y en a même c'est 7 fois toute la semaine. Il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez avec les rues, vous pouvez avec les rues, comme on appelle là. Le candidat, il y a toujours des façons à faire. Mais ça, il y en a même qui disent super. Ça, c'est bien fait d'ailleurs. Ça rentre dans beaucoup de choses. Même il y en a qui mettent dans le. Là, ça sent là. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc ça vous dit que Nara Chimidon est très posé ici. On en a tellement besoin que le chiffre d'affaires doit vraiment hein, être en phase avec ce qu'on a les explications. On continue ici. Le Sénélec. Maintenant, on remarque également que dans ce tableau,
On remarque également que dans ce tableau, on remarque également que dans ce tableau, on a 66 milliards 200 millions. Donc, 6 milliards 200 millions chiffre d'affaires pour Sénégal. On remarque également qu'on a dans ce tableau 66 milliards 200 millions de chiffre d'affaires pour Sénégal. Cela s'explique par le fait que l'électricité est incontournable. L'électricité incontournable. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le courant. L'électricité est incontournable. Incontournable. L'électricité est incontournable dans la vie de tous les jours. Il suffit qu'il y ait une coupure de 10 minutes. Tout le monde va faire sa vie. Dans la vie, dans la vie, ça va. Tout le monde en a besoin. Il y a des villages qui n'en ont pas actuellement. C'est pourquoi je vous dis, ça en 2016, cette enquête a été menée. Aujourd'hui, il est évident que les chiffres ont évolué. Je n'ai pas les nouveaux chiffres. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on est à 100, 100 milliards pour Sénégal. En 2016 et aujourd'hui. Pour le temps, hein? 2016, ça fait 8 ans. 8 ans après. Mais ce qui importe, c'est ce que vous avez. Dans votre tableau, c'est ce que vous analysez et vous intéressez. On continue. Oui. On remarque également dans ce tableau 46 milliards de publics sont 46 milliards 100 millions. On remarque également que dans ce tableau, on a 46 milliards 800 millions de chiffre d'affaires. Pour quelle compagnie? Compagnie sucrière du Sénégal. C'est situé où? Pour ceux qui connaissent le Sénégal, Richard Toll, n'est-ce pas? Quand vous entendez ces chiffres, vous avez peur. Vous dites, mais on fait tout ça ici, mais pourquoi on est pauvre? C'est un problème de gestion, c'est mal géré. Carassibri, 800 milliards. Le chiffre d'affaires. Cela s'explique par le fait que. Est-ce qu'il y a une famille qui ne prend pas le thé par jour? Ah, c'est tout le café tout bas. Mais comment on consomme le sucre? N'y a pas de concurrence sucre. C'est la seule industrie dont le monopole. Ça va. On disait tantôt que 46 milliards 800 millions
pour la compagnie sucrière du Sénégal. Cela s'explique par le fait que la consommation du sucre est très importante ici au Sénégal. La consommation du sucre est très importante au Sénégal. La consommation du sucre est très importante au Sénégal. Vous voyez? Qu'est-ce que Grand Moulin fait? Farine. Ça est de l'actualité. Le blé, farine. C'est grâce à eux qu'on a le pain. Aujourd'hui, le prix est réduit. Les gens qui mangeaient la moitié de pain mangent maintenant une miche, surtout les filles. Beaucoup de pain. 150 francs, c'est très abordable. Le prix est bon. Donc, on remarque également 38 milliards 500 millions de chiffres d'affaires pour GMD Grand Moulin de Dakar. On remarque également 38 milliards 500 millions de chiffres d'affaires pour le Grand Moulin de Dakar. Point. Cela s'explique par le fait que la farine est beaucoup prisée au Sénégal. Cela s'explique par le fait que la farine est très prisée au Sénégal. Le pain. Je me demande s'il y a une famille où il n'y a pas du pain par jour. Moi, mes voisins prennent 15 baguettes par jour. Je ne sais pas est-ce qu'ils jettent le reste ou pas, mais c'est chaque jour. Ouais. C'est pour vous dire que le pain est très prisé ici. Et je pense que la réduction du prix est bienvenue. L'avant-dernier, on remarque également 31 milliards 100 millions de chiffre d'affaires pour Sokosim. Qu'est-ce que Sokosim fait? Qu'est-ce que Sokosim fait? La production du ciment. Donc, on remarque également. On remarque également 33 milliards 100 millions de chiffre d'affaires pour Sokosi. Et cela s'explique par le fait que le Sénégalais a une culture construction. Sénégalais a une culture de construction. Tout Sénégalais, même étant jeune, dès qu'il commence à travailler, son premier projet en tête, c'est de construire. Donc, le ciment est beaucoup consommé. Donc, cela explique également que le Sénégalais, comme je disais, a la culture de construire, de construction. Cela s'explique également par le fait que le Sénégal est en train de se développer. De se développer. Parce que la construction, les infrastructures et autres, les maisons, ce sont des sources de développement.
Il y en a qui ne suivent pas, on va reprendre. Je disais, cela s'explique par le fait que le Sénégalais a la culture de construction. Également, cela montre que le Sénégal est en train de se développer, de progresser. Ça va. Le dernier, on a également 18 milliards. Combien? 18 milliards. 18 milliards. 400 millions. 18 milliards, 400 millions de chiffre d'affaires pour 5 euros. 400 millions de chiffre d'affaires pour 5 euros. Milliards, 400 millions pour 5 euros. Cela s'explique par le fait que cela s'explique par le fait que l'eau potable, c'est l'eau potable, ils sont censés nous livrer. Cela s'explique par le fait que l'eau potable est beaucoup utilisé au Sénégal. Donc, on va faire une analyse, une interprétation. Dire ce qui est là et apporter vous-même votre propre compréhension. Ça, on appelle l'analyse. Et ça va. On va continuer rapidement. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Chef de classe, à quelle heure on va à la pause? Donc, on a 19 minutes pour finir cet exercice. Si on finit pas notre tour, on va le faire. Exercice numéro 3. Bon, ici même, c'est encore plus facile. Qu'est-ce qu'on nous demande, quelqu'un pour lire? Clean the board. Clean the board. Hold the board quickly. You speak English. You don't speak English. Why? Why you don't speak English? Because these students say She said it. You speak only said it. Sere isn't interesting. You have to speak English. English is very, very interesting. Yeah. English is the international language. If you want to travel in the world, you have to speak English. If you don't speak English, you can't travel in the world. Et tu ne comprends pas l'anglais, tu ne peux pas aller loin dans le monde. L'anglais, c'est la langue qui est parlée partout. On dit la langue internationale. Mais ce n'est pas la langue la plus parlée. Pourquoi? Parce que les Chinois sont nombreux. Donc, eux seulement, ils se suffisent. Voilà. Mais la langue qui est parlée partout, où tu vois, tu ne peux pas avoir de problème, c'est vraiment l'anglais. Et je ne sais pas pourquoi les élèves négligent. Pourtant, de la sixième jusqu'en terminale, vous faites l'anglais. 7 ans d'études, quand même. Moi, mon anglais, je ne l'ai pas appris. À part, hein. C'est ce que j'ai appris au lycée, c'est ça qui est dans ma tête. Mais je parle bien, j'écris. Il faut aimer l'anglais. C'est important, ça va vous aider. Même il y a des documents qui sont écrits en anglais, tu es obligé de comprendre l'anglais. Bon, on va construire.
pour pouvoir faire la comparaison. Sinon, on peut déjà faire. Mais c'est dans la construction, ça sera facile. On va essayer de construire. On met les deux à côté et faire la comparaison. Ça va faciliter. Donc, vous mettez un exercice pour voir. C'est une sorte de caricature, hein? On n'a pas les dimensions normales. On fait un semblant de dimension. On va évoluer. On va essayer. Ici, évidemment, c'est le niveau. Et là, on va 5. Là, on va 10. Là, on va 11, n'est-ce pas? Là, 20. Et 25. 30. Je vois la façon. Je vois la façon de ça. On a bien sûr parler de la façon. Il faut aussi atteindre ce point. On a une vision. On va mettre un point. Voilà. 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 Regardez ici, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Et en bas ici, on va prendre ici, je crois que c'est C. C, c'est quoi? C'est ce qu'on nous a dit. Charbon, n'est-ce pas? Après, nous avons pétrole. Et après pétrole. Gaz. Après le gaz, nous avons l'hydrocarbure, si je ne me trompe pas. Hydraulique, pardon. Hydraulique. Bien. Après hydraulique, on a quoi? Nitré. Après nucléaire. Énergie, prénom, prénom. Là, également, nous avons 5. Je peux mettre 2 pour la comparaison. Et nous avons 10. Et nous avons 15. Nous avons 20. Nous avons 25. Nous avons 30. Nous avons Et enfin, nous avons pour regarde le premier, qu'est-ce qu'on nous dit? Charbon, c'est combien? 24,1. C'est ça, non? En 2000. Et en 2000, c'est combien? Bon, on va aller pas à pas. 24,1, je suppose que nous avons.
24 000 000. Et ensuite, le pétrole, nous avons combien? 4 000 000. 4,4. Le pétrole, nous on va pas faire 4 000 000, mais 5 000 000. On se dit que c'est quelque part. Vous avez dit les dimensions qu'on va respecter, mais je vous dis et après le pétrole, nous avons le gaz. 11,6. On dépasse tout simplement 10, un peu. C'est ça? Et après le pétrole, nous avons quoi? L'hydraulique. L'hydraulique, c'est combien? 28,9. 25, on dépasse un peu. L'hydraulique. 28,1. Bon, ici ça marche. 28,9. 28,9. Ensuite, énergie renouvelable. On a combien? C'est 3 ou 5, 5,9, n'est-ce pas? Ça n'atteint pas 10. Mais avant l'énergie renouvelable, on a quoi? Nucléaire. Nucléaire, c'est combien? 25. 25,1. Donc, nous sommes là. 25,1. On ne peut pas c'est ça. C'est ça. 25,1. C'est ça. 25,1. Nickel. Ensuite, énergie renouvelable, c'est combien? Combien? 5 000 000. On ne fait pas 5 000 000. On n'atteint pas 10. 5 000 000. Bon, je vais prendre en bas ici. Bon, réaliste. Comme c'est une comparaison, on va prendre notre couleur maintenant. Tout ce qui est en noir, c'est en 2008. Regardez, 8 ans après 2008. 2008, donne-moi les valeurs. 8,6. 8,6. Donc, on ne peut pas 5 ans. Ah, c'est mieux de le connaître. Et le deuxième, c'est combien? 3,9. On a pas 5, on n'a pas 5. 3,9. C'est bon, hein? Hein? Ensuite, gaz. Gaz, c'est combien? 2,7. 2,7. On dépasse le milieu. Ça va?
Hydraulique, c'est combien? 17,8 heures. On dépasse 15 heures. 17,8 là. 17,8 heures. On n'atteint pas 20. C'est bon. Ensuite, 62 nucléaires, vous voyez, nucléaire, hein? Ce qui était en bas par rapport à l'hydraulique, aujourd'hui, nucléaire, c'est tout le double. On n'a même pas fait, on peut toucher même le mur, parce que c'est 60 degrés, hein, en secondaire. Donc, quand vous allez avoir de l'espace, vous comprenez. Hein? Tout ça, ça moi, il y a les frais là, parce que je n'ai pas d'espace. Ensuite, combien 4,8 là? 4,1. On dépasse 1,4. Donc, nous sommes là. 4,1. Donc, ça, c'est 4,1. Ouais. J'ai fait extraire les deux données fois d'abord. Tout ce qui est en bleu, c'est 2008. Tout ce qui est en noir, c'est 2000. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous aurons le temps de prendre, suivez pour comprendre. Qu'est-ce que vous remarquez? De 2000 à 2008, qu'est-ce qui a diminué? Le charbon. Pendant que tout le monde se dit en train de se trouver en bas des fourneaux, et ils sont en train d'électriquer comme ça. Donc, son nom, il y a une chute. Et là, le pétrole, ils vont venir de mourir, ça ne veut même pas un mois. Il laisse son. Ça chute. Ça ne les intéresse pas. Ensuite, concernant le gaz, on vient de le couvrir. Mais regardez comment il va laisser. Beaucoup, une chute. Tout ça, c'est une chute. Quand vous voyez qu'en rouge, vous en faites une chute. Ça les intéresse pas. Ils sont dans votre vie. Là également, l'hydraulique. Tout ça. Parage hydraulique, tout ça, ça va être après. Par contre, regardez ce qui les intéresse. Rien. Dans l'analyse, on peut dire ça, ça va être gardé. Ça, ça va être gardé. Et on a fait trop de choses. La seule chose qui a augmenté en 8 ans, c'est le nucléaire. Il y a même le nucléaire qui a combien? C'est combien? Mais au départ, c'est combien? 25,1. Le double de 25,1, c'est 50,2. Mais ils sont à combien? 62,8. Ils ont même dépassé le double en 8 ans. La production. Donc, ça montre déjà dans votre interprétation que ce n'est même pas un pays africain. C'est un pays noir. Sur le plan industriel, bien sûr. Ouais. C'est pour l'appeler, c'est pour mettre les deux pays en accord pour faciliter donc la comparaison. Ça va? Je pense que pour le reste, il est bien l'heure. À notre tour. Notre tour, il n'y a pas. Allez-y, allez-y manger. À votre tour, on va continuer. Il y en a qui ne mangent pas, ils ne peuvent pas suivre. Hein? Si tous les femmes, il faut leur permettre d'aller manger. Délégué, on reprend à quelle heure? 11h20. Pardon. Vous notez ça, vous allez manger à notre tour. On va continuer la course.
Elles sont connectées après. Donc, trois mille 22%. On est à 98%. Ah. Donc là, c'est au-dessus de 90, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Vous voyez. Ensuite, nous sommes 100%. Voilà la problème. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Et ici, même, on ne vous demande même pas de commenter. S'il vous plaît, ici, on ne vous a pas demandé de faire le protocole. Donc, ce n'est pas la peine de force. C'est ce qu'on vous demande, vous faites. Ça va? C'est tellement simple. Tu comprends même? D'accord. Vous notez ça, on va faire la correction du dernier exercice et on va faire un petit contrôle en groupe. 3, 2. 2 personnes, 3 personnes. Vous allez discuter entre vous. Vous allez mettre vos noms sur la copie et vous devez corriger pour vous restituer vos notes. Ça va. Vous prenez ça encore le dernier exercice. C'est pour voir tout ce qu'on a expliqué depuis hier. Est-ce que vous avez assimilé? Parce que quand un étudiant ou bien une étudiante te dit j'ai tué le serpent, le diable, il ne faut pas sauter dessus, ça va te mordre. Ils disent on a compris. Pourtant, ils n'ont pas compris. C'est dans l'évaluation, on sait s'ils ont compris ou pas. Donc, c'est pourquoi on va faire un petit contrôle de 30 minutes seulement pour voir si vous avez vraiment compris. Bon, je n'ai pas l'autre courbe sous les yeux, mais regardez, fréquence cumulée croissante et le premier. Il y a une petite différence, n'est-ce pas? Parce que quand c'est croissant, on additionne le cumul. Mais l'autre, on n'avait pas additionné. On pouvait même vous dire de faire une comparaison. Le premier que l'autre a construit, une chute. Mais dans le cas du croissant, il n'y a pas de chute. Tout le monde. Vous n'avez pas le mal. Parce que cumulé, on a une sorte. Tout le monde. Adam a installé. Mais l'autre, on a une chute. N'avez pas vu. On pourrait vous dire de faire une comparaison. Bon, le dernier exercice, avant notre contrôle. Il faut une autre personne au tableau. Ici, on ne va pas reprendre les deux dernières questions. La première question seulement pour vous montrer les calculs. Comment les calculs sont faits, ça va? Vous n'allez pas effacer ici parce qu'on va construire quand même. Vous n'allez pas effacer. On va effacer seulement les diagrammes, mais les diagrammes. Un garçon, cette fois-ci, peut passer au tableau, n'est-ce pas? Les filles sont trop à l'honneur. D'abord, cet exercice, quand vous regardez, la question n'est pas posée, mais je vais en profiter, parce que on veut que vous compreniez. Regardez bien cet exercice. Exercice 6. Voilà, c'est l'intérieur seulement, il faut y passer.
On va construire le reste dessus. Regardez un peu cet exercice. Un garçon cette fois-ci. Hey, vous deux, choisissez un. Puis j'avais dit, il y a des milliards ici. Personne ne va dire, l'autre, faut aller. Les deux allaient se bousculer pour aller. Un passe au tableau, on va t'aider, on va t'aider. Tu fais le tableau tel que le tableau est. Et on va calculer les fréquences. Ça va? Fais le tableau tel que le tableau est. Et tu laisses espace en bas. On va construire. De l'autre côté. Fais le tableau tel que le tableau est. Classe. Très bien. Effectif. Très bien. Quinze, 25. C'est les intervalles. 15, 25. Très bien. Ensuite. 25, 30, 35. Ensuite, 35, 40, 45. Ensuite, 45, 50, 55. Ensuite, 55, 60, 65. Ensuite, 65, 75. Et enfin, 75, 80, 85. Maintenant, l'effectif. On a 9. 15, 22, 29, 17, 6 et 2. Très bien. Maintenant, voilà, tu mets fréquence en bas. S'il vous plaît, essayez de calculer l'effectif total, ça donne combien? Ceux qui ont une machine. C'est combien? Là, tu remplis ton tableau seulement. Mets une autre ligne en bas. Voilà. Effectif. Tu mets fréquence. Fréquence. Voilà. F. Fréquence. Très bien. Très bien. Voilà. On trouve combien? Ah, ça facilite. Chaque fois que vous avez l'effectif total 100, vous prenez l'élément seulement, vous mettez sur 100. Ça fait le pourcentage. Donc, on aura 9%, 2%, 6%, 17%, 29%, 15%, 22% et 9%. C'est facile. Très bien. Mais regardez ici. Je vous ai dit, il y a trois questions, mais on va répondre à ces questions. Les deux autres, vraiment, c'est plus fort pour vous. Hein? Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est les quartiles. Les quartiles, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Comment on les calcule? Regardez ici. Quartile 1. On a dit ça combien de pourcents? 25 ans,
25%. Carte bleue, on a dit 52%. 50%. Et carte noire, on a dit 52%. Carte 1, tout ce qui est en bas, aujourd'hui, c'est la construction de la bien construite. Parce que quand nous disons ce qui est en bas, on ne voit même pas la forme. Où est en bas, où est en haut? Il faut qu'on voit la forme. On va construire sur les voies, et c'est pas fini. Ici, pour construire, les gens vont aller se dire là. Ça, c'est la différence. On va mettre pour nous ici. Et là aussi, la lettre, on va mettre un gabarit pour le fond. On va construire sur les voies, c'est pas ça. Oui. On va évoluer en combien? 5, 5 ou bien 10? En montant. 5. Parce qu'on a 2, hein? Donc 5%. 5, 10, 15, 20, 25, 30. On va s'arrêter à 30, tout ça, 29 là-bas. 25. 30. Ça va? On vient en bas maintenant. En bas, l'intervalle, on va évoluer combien? Quelle est la plus grande valeur? 75. On a 75, n'est-ce pas? Ça s'arrête à 75, non? 80? 85. On peut évoluer de combien en combien? Suivez, s'il vous plaît. On peut évoluer combien en combien? 10. 10 jusqu'à 100, ce ne sera pas long. Bon, on y va, on essaie. 10, 20, 30, 40. Ce sera long. Et si on évolue à 20? D'accord. 10, 15. Tu passes les cartes là, après on va revenir dessus. Très bien. Bon, on va voir ensemble l'intervalle 15-25. On se trouve à quel niveau? Ici, c'est la première fille. Donc, 15, c'est le plus. 15-25, c'est là. Donc, c'est cet intervalle. Et déjà, ça change combien de compétences? 9%. Donc, on met là, on parle de 15. Pour faire attention, vous avez construit, on va parler de 15. Faites attention à la construction. Donc, ici, et 25. Vous voyez. Ensuite, nous évoluons de 25 à combien? 35. Où tu prends 35? Le milieu de 30, n'est-ce pas? Vous voyez. Le milieu de 30. Ça tombe sur combien? 15%. Vous voyez. 15%. Ouais. Ensuite, est-ce que vous suivez? 45, 45, oui.
25, 36 ans. 36, 45, 45, 39. Mais pourquoi cette fois-ci, ta bande est large comme ça? Je sais que tu n'as pas mal tracé. Bon, on y va, ça va là. Ça tombe sur combien là-bas? 22%. Ça se chevauche. Ça se touche. Il y a un croisement. Mais, vous voyez? 45, 55. 45, 55. Trop 55 aussi. Mmh. 29%. Attends. 35-45, c'est ça. Donc, 35-45, ça va. Ensuite, 45-55. C'est entre 60 et 70, le milieu. Ça tombe sur combien de pourcents? Donc, il y a une chute, ça commence à chuter. Et ensuite, 35, 35. 105, 115. Et ça commence à chuter et ça continue à chuter. 6% même. Cent 85, le dernier, là, c'est une chute totale, 2%. Chute totale, 2%. Super chute. Ça va? Bon, maintenant, on repasse sur les calculs, mais Q1 égale 25%. Vous allez voir comment le calcul s'est fait. Q2 égale 50%. Bon, regardez comment le calcul se fait. Je vais aller sur les trucs, vous allez voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le premier calcul, c'est donc le calcul d'ordre 25%. Ce qui signifie 25% des observations sont inférieures au premier calcul. Comment retrouver 25%? Vous avez vos machines. Ça sera combien? Plus 15. Matériel. Net, batterie. Plus 15, batterie. 14. Donc, ça fait 14%. 14% plus 22%. 35%. C'est ça. 36%. J'espère que vous pouvez nous entendre. Ça va? Bon, 46%, si on additionne ici, ça va dépasser 50%.
Nous sommes d'après ta vie, à tout droit. Donc, tout ce qui est là est inférieur, parce que tu as dit, à tout droit. L'enfant étudiant là, il doit être là. S'il avait démarré combien coûte la baguette de pain, tout le monde trouve 20 sur 20. Quatre-vingt-trois. Quatre-vingt-trois, qu'est-ce qu'on dit? Le premier temps, c'est donc Donc ici, il y a une règle. Quatre-vingt-trois est le troisième cas. C'est donc le quatre-vingt-soixante-quinze. Hein, c'est le troisième cas. Après, il faut l'étudier. Troisième cas, donc 75. Ce qui signifie 75% des observations sont inférieures au troisième, après le cinquième erreur. Au troisième cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, déjà ici, nous sommes à 75%. Parce que vous avez dit, c'est ça. Voilà. Donc tout ce qui est là, nous sommes à quel niveau ici. Tout ce qui est au niveau là, c'est ça, non? C'est ça. Donc tout ce qui est ici est inférieur, n'est-ce pas, par rapport à notre observation. Oui. Quand on arrive à pouvoir nous en bas ici, le capi, c'est par exemple si le capi, je vais prendre un exemple, ça va être facile. Ici par exemple, c'est une médiane. C'est une division en deux parties. Maintenant, dans la division en deux parties, on peut avoir encore la moitié. La moitié. Vous voulez un kilo, vous n'avez pas la moitié. Vous n'avez pas. Vous dites encore moitié, moitié. Moitié de 50, c'est 20. Est-ce que vous voulez? Maintenant, trois fois moitié de 50, c'est 5, donc 60, 70. De façon calme. Mais, le capi, si nous sommes au milieu, on appelle ça médiane. Médiane. Là, dans ce cas, le deuxième capi, le est égal à la valeur médiane, c'est la moitié. Le premier capi, qui est 25%, c'est moitié de la médiane. Donc, c'est la division par il correspond à 25%. Pour le premier, 50% est la valeur médiane pour le deuxième et 70% pour la valeur qui s'est convaincue. Ça va? Maintenant, ce qu'on vous demande, suivez, ce qu'on vous demande. Le capi, ici, quand on est ici, ça fait combien de pourcents? 75%. Mais si on s'arrête à ce niveau, est-ce que ça vaut 50%? Vous avez trouvé 46%. 40%. 46%. 46%. Mais les 46% sont toujours inférieurs à 50%. Donc, ce sont les valeurs qui sont là. Maintenant, je vais simplifier ce mécanisme. Ici, nous sommes à plus loin. Mais quand nous sommes là, et là, à là, selon vos calculs, moi, je n'ai pas calculé. Vous dites que ça fait 46%. Donc, nous sommes au Q2. Vous avez trouvé 46%. C'est inférieur à 50%. Parce que quand on a additionné ça, ça et ça nous a reconnu 46%. Ça ne vaut pas 50%. Donc, nous sommes là. Le Q2 est là. Le Q3 est là. Ça va? On regarde. Est-ce qu'on peut avoir les bons 5%? Ici, 9 plus 15, ça va être 24. Donc, ici, ça veut dire logiquement. Ici, nous sommes à Q1. Parce que tout ça, c'est inférieur. Donc, Q1 est là. Toi, là, 24. 24. C'est moins de 25. Donc nous sommes à Q1 ici. Et le Q2, c'est combien? Quand vous avez additionné, ça va être combien? Ça, plus ça, ça va être combien?
45%. Donc, en ce moment, les seniors sont arrivés. Et dis-toi, c'est difficile. C'est difficile. Parce que ça pousse ça, que ça nous donne 75%. Donc, 75%, c'est dis-toi. Ouais. 50%, c'est élevé. Et 25%, c'est. Moi, j'ai des temps qu'on ne reçoit pas, ça peut être ici. Vous voyez, les deux dernières questions, on me demande un passage sur le téléphone. C'est le temps de passer. Je parle de force. Donc, voilà, grosso modo, comment reconnaître. On ne peut pas trouver les tartines si on ne peut pas les réponses. Si on trouve les réponses, on a dissolu. Les réponses, lorsque ça atteint 25%, nous sommes dans notre premier quartier. Si nous sommes à 50%, nous sommes dans notre deuxième quartier. 75%, nous sommes dans notre troisième quartier. Voilà comment on calcule les chartes. Ça va. Maintenant, pour une définition technique, comme elle a demandé, on va vous en donner. Pour quelle note? Vous écrivez. Les quartiles sont, je vais vous donner. Les quartiers sont les valeurs. Les quartiers sont les valeurs. De fréquence. Prendre la prendre des études statistiques. Leur calcul permet de comparer cette donnée. La donnée permet de comparer les données. On vous dira par exemple, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que 25% sont inférieurs. Qu'est-ce que vous observez? On observe que 50% sont inférieurs, donc nous sommes dans le quartile 2. On remarque que 9% sont inférieurs à ça, nous sommes dans le quartile 1. Voilà. Donc voilà, en grosso modo, ce qu'il fallait savoir sur cet ensemble de statistiques. Ça va. Maintenant, si vous finissez, vous prenez une feuille, vous mettez le nom. Bon, les deux vont mettre leur nom, vous trois, vous mettez vos noms. On va faire un petit contrôle de 30 à 40 minutes. Deux exercices, hein. Les documents sont permis, hein? Vous pouvez travailler avec vos documents. C'est pas difficile, c'est pour voir si vous avez assimilé. Depuis hier, nous sommes en train de crier, crier. Est-ce que nous avons crié dans le vide? Est-ce qu'on veut savoir? Oui. Combien nous avons crié? Nous pensons positif. Est-ce qu'on veut savoir? Vous avez travaillé beaucoup. Travail. Vous notez l'adresse. Travail. Plus études.
C'est roi quoi? Un enfant, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, 39 enfants, 10 enfants, cela c'est vraiment la vie là. 10 enfants, 15 enfants. Vous avez 10 enfants au Sénégal? On a diminué le prix du pain, hein? Il va falloir que certains vous l'aient à l'école. C'est pas possible. Take it back. Vous travaillez comme vous l'avez fait à l'école. Hein? Présenter ces données dans un tableau. Les données dans un tableau. Et calculer la fréquence cumulée croissante. De calculer la valeur moyenne. La valeur moyenne d'un en moyenne ma première année. Trois. À quel type de caractère avons-nous quel type de caractère avons-nous? Vous ne savez pas quel type de caractère avons-nous?
Perdí papel. Abrimos. E per e salutaci. E salutaci. Cat. Construir. Il diagramma. E Le pollo. Sì, analizzi Oui. Allez-y, à C'est pour vous dire cela. Vous avez cette question au total. Bon, il va finir de ça. On ne fait pas ça, c'est chiant. Je pense que c'est le seul marqueur qui reste avec la carrière. Vous avez 7 questions pour 30 minutes. C'est tout ce qu'on a fait avec le moins d'essayer de rester. Son arrêt de s'agir que ça devient pas simple. On a montré le résultat. Il faut copier, hein? Copier le sujet. Il faut copier. Vous copiez sur votre feuille de copie. C'est un sujet inventé. Si vous ne copiez pas, vous ne pouvez pas voir le sujet. Je reprends une étude portant sur le nombre d'enfants par ménage donne ou bien a donné, deux points. Nombre d'enfants, 0 pour ménage 23. Un enfant pour 17, 3 pour 43, 5 pour 39, 10 pour 15. Présentez ces données dans un tableau. Vous allez faire le tableau. Et calculez la fréquence cumulée croissant. On doit sentir ça dans votre tableau. Ensuite, calculez la valeur moyenne d'enfant. Ensuite, quel type de caractère avons-nous? Quel type de caractère avons-nous? Et
Quelle est la nature de ce caractère? Quelle est sa nature? Quelle est sa nature? À construire le diagramme à bâton et le polygone. C'est donner le nom du polygone. 6, analyser et interpréter le diagramme. 7, tirer une conclusion. Donc, vous avez terminé. Moyen. Temps. La valeur moyenne d'un temps. Calculer la valeur moyenne d'un temps. Calculer la valeur moyenne d'un temps. La valeur moyenne d'un temps. Quelle est la date aujourd'hui? Le 5. Oui. Temps passe vite. Plus le temps passe, plus on s'approche de la tombe. Vous pouvez commencer par la question que vous comprenez mieux. Et d'ailleurs, ici, vraiment, je pense que il n'y a même pas de questions. Oui. Vous copiez, vous ajoutez les fréquences et les fréquences cumulées. Croissant. Il y a deux types de fréquences cumulées. Il y a croissant et décroissant. Ici, on vous demande cumulé, croissant. Forcément. Forcément. Forcément.
Ils sont en contrôle. Ils sont en contrôle. Oui, vous pouvez.